Il est où l'opening? Non mais sérieusement, il est où? Pourquoi il est pas à l'épisode 2? Il va être quoi? L'épisode 3, l'épisode 4, l'épisode 5? Non mais, il est où? Il n'a pas fini d'être monté, il y a un problème avec les pistes son, vous avez rien pu faire, c'est quoi ce délire? Épisode 3? Oui? Non? Salut à tous et bienvenue pour les débuts de notre raider secondaire, Isengufua, alias Commander Vulcan. Je ne reviendrai pas sur les blagounettes, les fanfreluches, les bêtises d'Aluto, comme je ne reviendrai pas non plus sur le numéro 2 d'Inintelligence qui va devenir le comic relief. On le sait, ça va être récurrent, on va suivre ça pendant très longtemps dans la série. Voilà, passons. Mais avant toute chose, bordel, c'est quoi ce bureau? Non mais attends, t'as vu, tu as le truc, le caisson qui a fabriqué le driver, t'as un atelier avec des outils. T'as une table qui se soulève, tu amènes des Umagir, peut-être plusieurs générations, je sais pas, enfin, dans le bureau du président, ça fait un peu Iron Man, wow, j'adore. Et revenons surtout à nos moutons, ou plutôt à notre loup, pas si solitaire que ça, et pas si renfrogné. Ouais, je dis ça parce que quand tu vois à la fin de l'épisode, à demi étouffée, de se fendre la poire sur la blague pourrie d'Aluto, bon, tu peux dire qu'au bout d'un moment, ces deux-là, ils vont bien s'entendre, hein, devenir potes, ou même plus, comme certaines personnes pourraient le penser, genre un couple. Alors déjà rappelons, l'AM c'est une police, une milice qui enquête et qui punit les Umagir pour leurs crimes. Voilà, par exemple, ben, l'incident du parc qui n'était pas non plus très clair. Voilà, ils ont enquêté, les Umagir suspects avaient disparu et hey, quoi de mieux, hein, enfin, c'est logique au niveau de l'enquête, c'est ben, on va le demander aux fabricants, hein, parce que bon c'est bizarre, ça a disparu, donc puis vous cachez peut-être des choses, hein. Voilà. Bref, une enquête classique. Et puis vu qu'ils n'ont pas vu le combat entre Zero One et le Magia, voilà, ils n'étaient pas trop au courant. Enfin, ceci dit, quand ils vont le rencontrer, la première chose qu'ils vont faire, c'est lui tirer dessus. Enfin, les mecs, on n'est pas dans une cité, hein. Ils sont là pour faire respecter la loi. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans l'épisode. C'est par l'existence des lois spéciales sur les intelligences artificielles, on nous fait comprendre que les Magia sont considérés comme une espèce à part entière. Après tout, ils ont leur loi établie, et puis bah, ils ont leur police. Ils forment une communauté, j'ai l'impression, et c'est pas mal du tout. On sent bien qu'on est dans une nouvelle ère aux avancées sur plusieurs points, technologiques ou sociales, voilà. C'est intelligent, c'est cool, j'adore, honnêtement, j'adore. De plus, la première loi qu'on nous communique dans l'épisode est quasi identique à la première loi de la robotique d'Asimov. Un robot ne peut pas nuire à un être humain. Référence, intelligence. Rien à dire de plus. Isamu est l'enquêteur en chef, le commandant en chef de cette milice. En gros, c'est lui le patron, hein. Et Yua, donc, elle, est sous ses ordres, en tant que conseiller technique. Ça, c'était sur le papier, parce que la réalité... Non, 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 mes amis, non, pas du tout. Moi, je pense plutôt que c'est elle, la patronne, hein. T'as vu comment elle lui parle? Sérieusement, elle lui parle comme un chien. Quand le mec, il veut utiliser sa progress key, donc shooting wolf... Ah non, t'as pas mon autorisation, tu fais rien. Ah, sérieusement, le mec... Voilà, il est badass, il roule des mécaniques, tout ça, mécanique, t'as compris, il est tenu par les couilles, par celle qu'on pensait être juste ta petite assistante toute mignonnette. Putain, j'adore. C'est dope, c'est génial, j'adore. Bon bah, on va arrêter. Déjà, gardons en tête ce qu'il avait dit à la fin du premier épisode. Ça recommence. Alors bien sûr, on avait des hypothèses, tout ça, mais là, clairement, Cash, il nous balance tout. Déjà, pour lui, Umagir meurtrier. Dès Bracton est né, suite au meurtre massif perpétré par des Umagir. Et a priori, il est le survivant ou l'un des survivants de cette tragédie. Après tout, on ne sait pas encore. Et ça a été couvert par Eden Intelligence. Seul l'a transformé, on a caché l'information, c'était juste un accident, une petite explosion. Mais quelle bande de connards! Non mais sérieusement! Mais attends, j'avais raison! J'avais raison! Bon ok, pas pour le meurtre de masse, mais Eden Intelligence a bien caché l'information, j'avais raison sur ça! Bon, reste à plus qu'à savoir l'histoire là de ce qui ressemblerait à un satellite. Fait intéressant, même si c'est par rapport à une tragédie, on a quand même une des premières apparences design des Umagir à l'époque. Donc des Umagir humains au niveau de corps, mais la tête était un singe. Alors, sachant que l'homme descend du singe, là on a quand même une référence comme quoi le concepteur des Umagir a voulu vraiment calquer donc ce symbole d'évolution sur son concept d'intelligence artificielle. Enfin, vraiment, la
création d'une espèce. Je trouve que c'est une très belle référence, j'apprécie bien ces petits clins d'œil, ces choses, c'est cool. Donc, son but à Isamu, c'est d'exposer la vérité, les crimes perpétués par Hidden Intelligence et sa responsabilité dans tous les événements. Clairement, la maturité de l'épisode vient de Vulcan. D'un traumatisme vécu, il sera fondateur de l'homme qu'il est devenu, un être qui recherche la justice pour les victimes de ce que Hidden Intelligence a transformé en banal accident. Par rapport à ce que je pensais, c'est même pas une simple bataille d'idéologie. Bon, il y a un peu de ça, mais ça va quand même plus loin. Parce que Isamu a vu tout le mauvais côté des Umagir, mais Aoto lui en voit les bienfaits. Il ne serait pas vivant aujourd'hui si un Umagir ne lui avait pas sauvé la vie. En passant, c'est quoi ça? Une prothèse dégueu ou vous lui avez juste peint la tronche? Dans les deux cas, c'est moche. Et merci de ne pas filmer en gros plan, bordel. C'est dégueulasse. Sérieusement. Mais là, on a une personne qui connaît la vérité, qui a survécu à ces machines à rêve censées aider l'humanité. Face à un auto naïf de tout ce qu'il ignore, et là, je dis construction de personnage, et je dis bravo! Ceci dit, il mettra ses balles sur la table et balancera direct ce qu'il en est. Une organisation du nom de Metsugogenerai.net est la responsable des accidents arrivés dernièrement. Cette scène prouve que le personnage sait se remettre en question, et ça, je dis oui. Puis bon, on va quand même devenir encore plus la cible de l'organisation. Respect avant tout. Hein. Donc il en veut le Isamu, hein. Putain, ça y va. Hein. Et il veut tellement protéger l'humanité que le gars, il y va constamment en force. Attends, il veut absolument battre le Maga. Et pour cela, il va forcer l'ouverture de la Progress Key. Hein. Il va la forcer de rage. Et elle va céder. Elle va céder et il va pouvoir se transformer. On va parler du Henshin, hein, ça va être très rapide parce que j'adore. Je kiffe à mort, la transformation est terrible. C'est le fait qu'il tire, en fait la balle revient, il cogne dedans, c'est énergique, c'est badass, c'est waouh. Non, waouh. Et puis bon, je pense que vous l'avez vu, la petite référence à Kamen Rider Double quand il y a les circuits imprimés qui apparaissent sous son visage comme Shotaro. Tu as vu la référence? Bah, j'espère bien que tu l'as vu quand même, allez. Par contre, c'est moi où Yua a une drôle de façon de réagir. Genre, ah, il a réussi à se transformer, donc ça a commencé. Mais attends, ça veut dire quoi? Pourquoi tu dis ça? C'est en gros, tu le testais comme cobaye, si jamais, je sais pas, ça pouvait avoir un dysfonctionnement, comme ça, toi, tu pouvais pas te transformer. Hein, tu voulais être sûr qu'on peut se transformer sans crever? Je sais pas. Tiens, d'ailleurs, en passant, j'ai vraiment l'impression, hein, pour le moment, que le Rider System côté Himes est vraiment un truc indépendant. C'est vraiment pas mal du tout. Je pensais à ça déjà dans les premiers trucs, mais là, ça se confirme un peu plus, donc j'aime bien. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour donc de l'épisode, voilà, les plus grosses informations, ce qu'il fallait vraiment retenir, je pense. Et donc, bah, à part ça, il n'y a pas de grosses surprises. Attends. C'est quoi ça? Non, mais c'est une blague là, ça sort d'où? Un Kamen Rider qui chevauche une moto? Mais c'est quoi cette blague? C'est nouveau ça? Non, mais je plaisante. Allez, applaudissons tous, le retour du rôle de la moto! Avant de vous quitter, je vais vous faire part d'une chose amusante. Ce week-end, donc avant la diffusion de l'épisode 2, avec Doc Sakura, on discutait de ce qu'on aimerait ne pas voir dans la série, voir évoluer, voir changer. Donc par exemple, on disait « Ah, j'espère que les ennemis vont pas mettre 10 plombes à se faire connaître. » Boum, épisode 2, Jin, même s'il dit pas son nom, se présente en tant que Metsubujinrai.net. Ok. Ah, j'espère que... on aura plus d'informations sur la tragédie, qu'est-ce qui s'est passé, des Brighton, tout ça. Boum, épisode 2, Isamu nous balance le poteau rose. Ah, puis bon, j'espère que ça sera un peu de changement au niveau des méchants, qu'on n'aura pas simplement un monstre à la semaine. Boum, épisode 2, t'as deux Magia dans l'épisode. Ah. Ok, alors, je vous dis ça comme ça. Mais ça donne un peu l'impression que la Toei a hacké notre conversation. Voilà, bah encore une fois, j'ai énormément apprécié l'épisode. Je l'ai trouvé très bien, intelligent, mature dans sa construction. On avance bien, les informations tombent, ça donne envie d'en savoir un peu plus. Et les personnages se construisent petit à petit, que ce soit dans leur personnalité
ou dans leurs relations entre eux. Même si on peut y critiquer quand même le surjeu de l'acteur Naruto dans ses phases débiles, humour à la con, blague pourrie. Enfin, clairement, mec, on connaît ton vrai visage, hein, et c'est pas celui-là. Ton vrai visage, c'est quand t'es sérieux, tu trompes personne. Donc voilà, reste comme ça, sois sérieux, et puis garde juste le comique de situation, le béaba, le minimum syndical, ce sera amplement bon. Bref, voilà, j'ai adoré, et puis surtout, le personnage d'Isamu, honnêtement, je suis fan. Fan de Rider, fan du personnage, voilà, je recommence à réapprécier les Second Rider. Non, parce que celui de l'année dernière, c'est pas un Second Rider, hein, je sais pas ce que c'est, mais ça n'était pas un. Vulcan est pour moi un personnage fort, très fort, et je n'ai pas le souvenir, vraiment pas, d'avoir connu un personnage aussi fort dans ses débuts. Alors par contre, si vous vous en souvenez, si vous avez des informations, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, on en débattra. Donc voilà, prochain épisode, ça va être le début d'une nouvelle forme pour Zero One et le début de notre Kamen Rider tertiaire, Kamen Rider Valkyrie. Kamen Rider tertiaire? Non, c'est pas bon, ça arrive trop tôt. Non, attends, elle est en duo avec Vulcan Kamen Rider secondaire. Donc du coup, est-ce que ça ne ferait pas plutôt d'elle une Kamen Rider secondaire également? Ouais, non, c'est mieux, parce que les tertiaires se recréeront beaucoup plus tard. Donc elle, ce sera plutôt une Kamen Rider secondaire. Ouais, c'est ça. Pardon. Est-ce que vous avez aimé l'épisode? Dites-le moi. Likez, commentez, partagez. On se retrouve dans les commentaires et dans une prochaine vidéo. Bye les Tokuvors. Bang bang. Vous êtes encore là? Non mais allez, oust, allez, hop.